L'éducatif Crawl 4 mouvements est un éducatif qui va te servir à travailler ton efficacité motrice, c'est-à-dire la puissance avec laquelle tu vas pouvoir te déplacer. Donc plus tu seras puissant, plus tu pourras te déplacer loin et vite. Pour réaliser cet exercice, c'est très simple, tu vas devoir démarrer quasiment à vitesse zéro, comme on va pouvoir le voir sur la vidéo ici. Donc, tu es quasiment immobile, tu ne bouges plus. Et là, tu vas enchaîner 4 mouvements à la suite, puis te laisser glisser un peu avant de recommencer 4 nouveaux mouvements. Donc, toujours sur la vidéo en haut, on regarde 1, 2, 3, 4 mouvements et là, on se laisse glisser un peu. Plus tu auras poussé fort dans l'eau et plus tu auras été efficace, plus tu pourras glisser loin et longtemps. Pour être efficace sous l'eau, on va maintenant regarder la vidéo sous-marine. Tu vas devoir, en bas à gauche, tu vas devoir être efficace et placer correctement tes appuis. Sur cette vidéo, on peut voir sur le bras droit, l'épaule ici qui se place vers le bas, le coude qui va se placer vers l'avant, qui pourrait se placer un peu plus vers l'avant. Puis on va commencer à orienter la main, puis l'avant-bras, pour pouvoir avoir une traction qui va être d'avant en arrière. Une fois qu'on a commencé cette traction, on voit ici le bras avec le coude qui est légèrement vers l'avant. Ici, on pourrait avoir un mouvement qui reste un peu plus dans l'axe, avec le coude qui resterait un peu plus vers l'avant et un peu moins à l'arrière du corps. On va regarder maintenant sur la vidéo sous-marine toujours, mais droit de la vidéo. Donc on prend le bras droit qui est ici. Voilà, donc ce bras droit qui effectue le mouvement, et là on voit nettement sur la vidéo qu'il vient s'écarter complètement de l'axe du corps qui est ici. Il n'est pas très efficace et du coup la nageuse se retrouve avec le bras gauche trop écarté du bras droit, et du coup trop écarté de l'axe du corps. Ce qui va ne pas être efficace et ne pas l'aider à avancer très vite. Donc pour réaliser la même chose, le début du mouvement qui est très efficace, mais la fin du mouvement un peu moins, il faudrait que le bras soit plus voilà, dans cette position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Xavier Hidou, entraîneur national de natation spécialisé dans la nage en eau libre. Cette série de vidéos sur les éducatifs sert à illustrer l'entraînement proposé par ton national swimming coach. Pour y avoir accès et atteindre facilement tes objectifs, il te suffit de cliquer sur les liens dans la description. Tu peux également suivre mon quotidien et celui de la Fédération Française de Natation sur les réseaux sociaux.